Mesdames et messieurs, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est arrivé ici sur les sites. Lui qui va représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées. C'est donc le ministre de la Défense, comme vous le constatez. C'est lui qui va donc présider cette cérémonie qui sanctionne la fin de formation de la deuxième promotion des officiers qui ont suivi la formation ici à l'école des guerres, une école qui est tenue en collaboration avec l'armée française. Nous aurons tous ces détails d'ici un moment, le temps que le protocole nous déroule le programme pour cette cérémonie. Je vous rappelle que l'année dernière, il y avait eu une première promotion qui portait le nom d'Étienne Tshisekedi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait personnellement tenu à être présent en ce moment-là, alors que cette première promotion-là finissait sa formation pour cette deuxième promotion. Il s'est fait représenter par le ministre de la Défense, une formation, une fin de formation qui intervient dans un contexte très très particulier dont les forces armées ont besoin pour mettre en exercice tous les enseignements reçus. Mais pour vous faire vivre cette cérémonie, je n'ai pas oublié de vous rappeler que Mami Mambouini est ici pour le Lingala, Fesa Kalongola pour le Swahili, Wevin Diata pour le Kikongo, et Godé Kabundi pour le Tchuluba. Fesa Kalongola. Merci Edith Chala, merci Mambouini, au centre supérieur militaire, il y a Binza Ozone, Dio Maria Mapo, Chere, il y a Kusema Kwamba, Kushule, il y a Vita, à Michael Deke. Wanafunzi watapata viti vyao vya mwisho mafunzo wapo 25 wenye waliweza kufunzwa katika Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, représentant personnel du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République française. Messieurs les officiers généraux, supérieurs. La cérémonie d'aujourd'hui consacrée à la fin de la formation de la deuxième session, à l'ouverture de l'année académique pour la troisième session de l'école de guerre, se présente de la manière que voici. En un premier temps,
il y aura le mot de bienvenue du commandant, du commandement général des écoles militaires. Ensuite, va intervenir les mots de circonstance de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général prononcera son allocution en troisième position. Ensuite, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa viendra présenter le rapport des stages et fera la proclamation des résultats. Cette séquence sera suivie de la remise des brevets par le chef d'état-major général, par le ministre de la Défense nationale représentant le personnel du commandant suprême. Également, dans la même séquence, la remise des cadeaux par les autorités selon que le commandant de l'école de guerre désignera quelle autorité remettra le prix à quel lauréat. Et enfin, il y aura la clôture de l'année académique par son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale, l'ancien combattant. La photo souvenir se déroulera devant l'amphithéâtre là-bas et la cérémonie va se terminer par le cocktail au mess des officiers selon les indications qui vous seront communiquées. Sans plus tarder, nous invitons le commandant général des écoles militaires à bien vouloir venir pour le mot de bienvenue. Amanda, ya kuhu ya kijeshi ambaye atatoa hotuba mbele kabla waziri wa kingo Urenga Kabanga ambaye nous allons devoir nous excuser parce que nous devons signaler également la présence à la tribune de son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci. Ami msimamia rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni kusema wa askari 23 ambaye watapata viti vyao vya mwisho mafunzo katika shule hiyo ya vita, ila kati yao mwanamke mmoja tu kwa jina ya Christine Nzuzi ambaye ni major mpashaji wa bati formation alikuwa akifanya vipindi mbalimbali wakati wa jamhuri ya Zaire. Ndio tunaona kati ya wanaume 23 mwanamke ni mmoja tu huyo alikuwa mpashaji wa habari wakati wa jamhuri ya Zaire. Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, représentants personnels du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Messieurs les attachés de défense, Messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaliema, chers stagiaires brevetés à l'honneur de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, avant toute chose, permettez-moi, tout en rendant grâce à Dieu, de saluer chaleureusement la présence ici représentée du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de nos forces armées, par l'initiative de qui cette école de guerre de Kinshasa poursuit sans désemparer l'atteinte des objectifs lui assignés. En effet, Excellence, Monsieur le Ministre, c'est incontestablement par le leadership et l'impulsion du commandant suprême que l'école de guerre a vu le jour l'an passé.
Et depuis, nous avons senti et ressentons encore son accompagnement, chose qu'il avait promise dès la prise des commandes à la destinée de notre patrie. Il sied de rappeler à cette auguste assistance que cet énième passage représenté par le commandant, par le ministre de la Défense nationale, c'était un passage donc du chef de l'État, ici représenté par le chef d'État-major, le ministre de la Défense nationale, est l'expression concrète de son attachement à la montée en puissance de notre armée par la formation de qualité de nos vaillants militaires. En effet, nous avons toujours considéré que la présence du commandant suprême et ses multiples passages dans nos écoles est une interpellation de notre conscience quant au rôle qui est le nôtre à tous les niveaux en tant que formateur des écoles militaires. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense et représentant personnel du chef de l'État, veuillez agréer et transmettre l'expression de notre profonde reconnaissance au commandant suprême pour sa totale disponibilité et son regard attentif à l'endroit de nos interminables doléances qui ont désormais trouvé une suite favorable. Tout en vous souhaitant la bienvenue parmi nous, je demande solennellement à l'assistance d'applaudir l'action du commandant suprême par la présence du ministre de la Défense dans nos écoles. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale, permettez-moi de souligner que depuis qu'il a plu au chef de l'État de vous placer à la tête de notre noble ministère, nous avons le prestige de constater que les moyens financiers sollicités par nos différentes écoles leur parviennent effectivement. Avec la rigueur qui s'accompagne dans la gestion, nous sommes convaincus de la bonne direction que vous avez prise pour le redressement du niveau de la formation dans nos écoles militaires. Ces derniers mois, je constate personnellement, à cœur joie, que les demandes de fonds qui passent en amont par mon office vers l'échelon supérieur sont traitées avec dextérité par le chef d'état-major général et vous parviennent en temps réel. Ce dont je remercie en passant le chef d'état-major général de nos forces armées. Plus encourageant encore pour les différents corps d'instructeurs et le retour en aval des moyens vers les écoles par votre libéralité avérée, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale. Aussi, nous sentons-nous encore une fois interpellés sur la qualité de la formation à dispenser. Étant donné que les moyens commencent à parvenir aux écoles et les jérémiades du passé se réduisent, les appels en SOS pour la classe 1, entendez la ration des troupes en formation, que je recevais des écoles à tour de rôle, sont désormais tombés en désuétude. Nous vous en sommes très reconnaissants et sollicitons encore une fois les applaudissements de l'auguste assistance pour les efforts du ministre de la Défense. Je vous souhaite donc la bienvenue au commandement général des écoles militaires. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense, représentant personnel du commandant suprême, distingués invités, permettez-moi de saluer le partenariat militaire initié par l'autorité suprême entre notre armée et les forces amies. En effet, le volet formation militaire me semble attirer beaucoup de pays amis, dont les États-Unis d'Amérique,
la Belgique et la France en chef de file, qui évoluent avec nous à qui mieux mieux, tant avec l'école de guerre de Kinshasa qu'avec d'autres écoles. À propos, grâce au partenariat, les éléments français au Gabon viennent régulièrement en détachement d'instruction opérationnelle DIO et en mission commune aux forces armées MICFA dans nos centres de formation. Ainsi donc, je souhaite la bienvenue à la communauté française dont la présence de l'ambassadeur en tête est remarquable à la tribune. Et vous demande de les applaudir. De fil en aiguille, je souhaite aussi la bienvenue à la communauté belge qui emboîte aussi les pas et avec laquelle nous entretenons régulièrement des réunions en commission mixte ayant comme apport en cours la formation des formateurs destinés à renforcer les capacités de notre 31e brigade commando au centre de Luama à Kindu. Soyez les bienvenus et nous vous exprimons à tous notre sentiment de gratitude. Enfin, je tiens à apprécier, à juste titre, la confiance placée en nous par certains pays amis, par la présence de leurs éléments dans nos écoles comme stagiaires. Je cite la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville et j'en passe. Qu'ils soient tous les bienvenus. Par ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous les officiers généraux supérieurs et subalternes de nos forces armées ici présents. Et vous remercie infiniment de rehausser de votre présence cette cérémonie qui est un honneur pour nous tous. Avant de terminer mon propos, je m'adresse à vous, heureux breveté de la deuxième promotion. Je vous félicite d'abord pour votre assiduité aux études et vous rappelle que tantôt, parlant de la présence du commandant suprême plusieurs fois dans nos écoles, j'ai souligné le fait que cette présence nous interpellait tous, vous également. Il vous revient donc dorénavant de vous approprier et de mettre en pratique le bagage intellectuel militaire acquis et l'expertise reçue dans vos voyages d'études. Appliquez désormais les plans stratégiques et tactiques en respectant les méthodes de raisonnement enseignées et vous ferez œuvre utile. Soyez donc fiers de ce que vous êtes devenus et profitez-en à fond pendant cette belle journée exceptionnelle vous dédiée. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités, pour l'ultime fois, bienvenue dans l'enceinte du campus du Centre supérieur militaire et je vous souhaite de passer un agréable moment parmi nous. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les écoles militaires, que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie. Wa jemadari wa kijeshi kusema kwamba amesema pia kuna vituo mbalimbali vya mafunzo ambavyo umetumika nao pamoja sawa vile kituo cha Gabon Congo Brazzaville pia na kituo cha Luama pale Kindu Manyema ndio tunampatia ndugu yetu kote Kabundi alizewa ndugu zetu kupatikana kasa autorisation de son excellence monsieur le ministre de la défense nationale ancien combattant représentant personnel du chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, nous invitons Monsieur le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son allocution. Tout jibikala, tout sanganibom centre supérieur militaire, ou tout sanganibom commune Wangaliema, mou, jibikala, mou, mchendo wakopesha, basalai, belba fuma, kou, jijikija, kalasa, kabou, kakoumanye, mou, kou, luangana, vita,
ditunga da Congo démocratique ni miabami ko abu ni bafu mukujakula kuji e ujumikala umona mushindo wa ku bapesha ulombola malonga ni pashisha bafitiji yi kuji chef d'état major général général Celestin Mbala Musense wani amona mushindo wa kwamba jende ji yi pamwanda ulombola mina malonga garde à vous. Aligné. Mort. Gardez-vous. Faites porter les armes. Au centre. Portez armes. Musique, ouvrez les bancs. Ouvrez les bancs. National, ancien combattant, représentant personnel du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, messieurs les attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo, messieurs les recteurs des universités nationales, messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de fin formation à l'école de guerre de Kinshasa, qui est à sa deuxième promotion. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un virant hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour sa vision éclairée de faire des forces armées modernes, républicaines, professionnelles, pétries des valeurs civiques, patriotiques et respectueuses de toutes les questions liées aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Cette vision a pour objectif d'imprimer la compétitivité de notre outil de défense dans tous ses aspects, dont celui de la formation, pour faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée à la hauteur de tous les enjeux, tant au niveau national, sous-régional que continental. Le commandant suprême a maintenu l'élan amorcé de l'ascension de notre armée, malgré les difficultés en cours liées aux opérations à l'est de notre pays, dont l'excellente initiative prise par votre autorité de décréter un état de siège dans les provinces touchées par ces opérations, qui est un atout pour l'imposition de la paix dans cette partie de notre territoire national. Les corps de guerre de Kinshasa a pour mission de préparer les officiers supérieurs à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction dans tout poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité. Dans l'esprit, l'enseignement de cette école est évidemment orienté vers la guerre. Il prépare les officiers à tenir leurs emplois futurs dans les opérations, avec une perspective de comprendre, de préparer
et l'emporter dans les conflits actuels et à venir. À l'issue de cette formation, les officiers sont aptes à gérer une crise impliquant la participation des forces armées selon une approche globale. Ils sont également capables d'appréhender avec efficacité et préparation des forces et les réformes structurelles du domaine de la défense et de sécurité. Nous manifestons notre gratitude à l'excellence des relations de coopération militaire avec la France, qui a mis à notre disposition les techniciens français qui se sont mis ensemble des jours et des semaines durant pour coordonner les programmes d'enseignement qui sont appliqués dans cette école. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, représentant personnel du Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Permettez-moi d'esquisser la question des infrastructures de l'école de guerre de Kinshasa. Celle-ci demeure des infrastructures provisoires qui nous permettent de conduire la formation actuellement, le temps de permettre au gouvernement congolais de mobiliser les moyens pour l'érection des infrastructures définitives dans l'enceinte de la première zone de défense à côté du Tchèz et de l'ESAM. Distingués invités, avec votre bienveillance autorisation, je vais adresser un mot au cadre encadreur de l'école de guerre de Kinshasa et aux finalistes de la deuxième promotion. Tout d'abord au cadre de l'école de guerre de Kinshasa. Une lourde et noble tâche vous a été confiée, celle d'encadrer et d'assurer la formation des stagiaires. Bien à cette votre courage, abnégation, détermination et discipline a permis de conduire à bien cette scolarité et vous continuez de mériter davantage la confiance de la hiérarchie. Je compte sur vous pour assumer vos responsabilités pour les prochaines promotions. Cher lauréat, chers lauréats, voilà qu'aujourd'hui, après vous être baigné dans la vision de l'excellence, incarnée aussi par l'école de guerre de Kinshasa, vous êtes désormais inscrit à la crème des opérationnels dans le cadre des réponses à toutes les questions de guerre. Vous comprenez maintenant l'environnement et les enjeux des conflits actuels et à venir. Votre assiduité et la discipline vous ont permis de maîtriser la planification et la conduite des opérations. Il vous importe de vous adonner avec détermination maintenant que vous venez de décrocher vos diplômes supérieurs d'état-major, DSM-SI, dans vos futures fonctions. Et pour ceux qui ont les prérequis d'obtenir un accès au Tchèz, l'école a semé en vous des bonnes capacités de réflexion. Mais vous devez savoir que l'acquisition de la connaissance ne finit pas par le fait de quitter l'école. La formation est un processus non-stop et, de ce fait, elle impose toujours le besoin d'une perpétuelle actualisation en vue d'atteindre la maturité opérationnelle dont la sous-région a besoin pour assurer sa survie en tant que regroupement politique, économique et culturel. C'est encore ici le lieu de vous rappeler que vous avez l'ultime obligation d'entretenir et renforcer quotidiennement vos connaissances pour autant que
Si nous voulons que nos armées soient victorieuses, nous devons nous mettre dans l'obligation d'anticiper la victoire par des réflexions stratégiques desquelles nous devons tous nous nourrir dès à présent et dans l'avenir. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans vous remercier à nouveau et vous féliciter pour votre soutien total à l'émergence de cette école, un des leviers de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée française. Que vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive l'école de guerre. Et je vous remercie. Tunujadikira kabibuji bwase ko jibalonyi batwa ku 25 babikala bwo mushindo wa ko bwele mu kalasemo kajima 23 bali bajikija ni monka chimwabo mujima mu umwa wa bampulushi ye ivumikala mu peta bu reve wenda wa mbangilu ku seka mu ecole wa état major. À présent nous invitons son excellence monsieur l'ambassadeur de la République française pour son mot de circonstance. Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le représentant personnel du chef de l'État, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, monsieur le chef d'État-major général, mon général, mesdames et messieurs les officiers généraux et les officiers supérieurs, mesdames et messieurs. C'est un véritable honneur et un grand motif de satisfaction pour moi que d'être aujourd'hui à vos côtés. Cette présence parmi vous illustre le fait que la République française est aux côtés de la République démocratique du Congo. Elle est aux côtés de la République démocratique du Congo dans la construction, dans la structuration d'une institution et d'un outil militaire adapté aux nouvelles conditions du monde. Et donc c'est un grand motif de contentement pour voir d'être ainsi avec vous au cœur de la réponse que vous apportez à un besoin indispensable qui est la formation des cadres des forces de défense et de sécurité, qui est un enjeu majeur pour tout pays, qui est un enjeu majeur pour la résolution des crises auxquelles tout pays peut être confronté, et la situation dans l'Est, ces temps-ci, nous le prouve. Il y a un besoin immédiat de commandants de bataillon, de régiments, pour lutter contre les groupes armés. C'est une des dimensions du problème, de la situation que vous affrontez. Cette deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa a effectué un cycle complet de formation. Elle confirme la capacité de la République démocratique du Congo de se doter d'une école de formation de haut niveau au profit de ses officiers supérieurs. Ainsi, cette réponse apportée à ce besoin permanent permet vraiment d'inscrire la structuration du secteur de sécurité avec une élite militaire congolaise dans la dynamique en cours dans le pays. Je voudrais, en cette circonstance, adresser mes félicitations aux cadres de l'école de guerre de Kinshasa pour leur implication dans la réussite de ce projet. Adresser mes félicitations aux stagiaires également pour leur travail et leur succès. Et si vous le permettez également, adresser mes félicitations à notre direction de la coopération de sécurité et de défense qui soutient l'école de guerre de Kinshasa à travers la présence permanente d'un colonel français breveté de l'école de guerre de Paris qui est la sœur jumelle de l'école de guerre de Kinshasa. Cette cérémonie
marque également le succès de la coopération entre nos deux pays. Nous allons continuer à appuyer le commandement général des écoles militaires et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la montée en puissance de cette école, afin qu'elle devienne une référence en Afrique, tout en développant ses liens avec les écoles de guerre francophones, et en particulier celle de Paris. La visite récente du général français, le général Lustrick, qui venait de la direction militaire, de la direction de l'enseignement militaire supérieur français, est un exemple d'une étape qui s'inscrit dans cette logique de complémentarité étroite que nous développons et de partage d'expériences. L'école de guerre de Kinshasa est une école qui est encore jeune au sens du nombre des années, mais qui est en train de montrer, la circonstance d'aujourd'hui le prouve amplement, est en train de montrer combien nous sommes dans une dynamique positive. Le lieu va continuer de se développer, comme le chef d'état-major général l'a noté, avec de nouvelles infrastructures, et nous sommes contents de cette dynamique à laquelle nous avons l'honneur de prendre part et qui permettra donc aux cadres stagiaires nationaux et internationaux de continuer à étudier dans de très bonnes conditions similaires aux grandes autres écoles de guerre. Que vive l'école de guerre de Kinshasa, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo et que vive notre coopération franco-congolaise. Je vous remercie de votre attention. Ina bebe katua kulanda ni panda ndinga ya tumwa ya insi ya Fransa ya ikena zitola bisani na insi na beto na kumulisa luzolo ya insi na hendi. De son excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, représentant personnel du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, nous invitons le commandant de l'école de guerre de Kinshasa à bien vouloir venir présenter le rapport des stages et procéder à la proclamation de résultats. Sabokila ya ikele mosi kitwa isa bisalo na kati ya kalasi ya basuda na kumonisa yao penza mutindu yo bandaka kusalama tupe manaka na bawe ya bisalo mifona zaba tibubu kilumbu ya 15 ya ngonda ntambwadi ya mfula bitike na yao kile lumbu ya 15 ya kupesa maplomu ya lukumu na baina ya landaka malungi na kalasi ya zulu awa penza na centre superieur ya Seleka, ekoli ya ike samu na kutombola bisalu ya bavita tope ya basoda, mingi penza na mbanza Kinshasa, samu na kuzaba mbote, 15 ya kupesa nzila na kalasi ya zulu, salambaka na lumbu ya tano, ya ngonda, mtete ya mvule mafunda zone makumi zole na mosi, na mfumi ya insi, Felix Antoine Sike Chulombo, bubu kere bonso, deuxième promotion, mzula tuba, bakilele kiteso ya makumi zole na tano ya mvimba, ya salaka kumeka na tope kulanda malongi, kansi na kati na bao, bamenunga makumi zole na tatu, kansi vitu fana zaba mtete, na nima manaka abisalo, nyonske kisa zabana bubu yae, nyonske zula mwonisa timani, Monsieur le ministre de la Défense nationale, les anciens combattants, représentant personnel de son excellence, Monsieur le président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise. Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chef d'état-major général, la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, dont la formation arrive ces jours à sa fin, vient de passer une durée de scolarité complète qui s'est étalée sur une durée de 10 mois et demi, soit du 6 septembre 2021 au 15 juillet 2022. Présentation de la promotion. Au début de l'année, l'école de guerre de Kinshasa a reçu 26 stagiaires, tous diplômés d'état-major, sélectionnés sur concours avec rigueur et dans les conditions prévues par les textes créant cette école. Un stagiaire a été extirpé
de cette promotion pour son indiscipline et violation du règlement en vigueur au sein de cette école. Le 25, stagiaires arrivés en fin de scolarité sont répartis de la manière suivante. Un officier supérieur de la gendarmerie centrafricaine, un officier supérieur de la police nationale congolaise, trois officiers supérieurs de la force aérienne, deux officiers supérieurs de la force navale et 18 officiers supérieurs de la force terrestre. Contenu de la scolarité 2021-2022 et activité phare. La scolarité de cette promotion s'est conformée à la directive d'enseignement et de fonctionnement de l'école de guerre de Kinshasa, comprenant notamment l'enseignement général de défense et l'enseignement opérationnel. Les stagiaires arrivés en fin de scolarité ont été soumis à 4 exercices de planification opérationnelle conduites par les brevetés cadres de l'école avec un renfort des autres officiers brevetés experts en planification des nationalités françaises et camerounaises. 25 officiers supérieurs ont été également confrontés aux 4 grands domaines complémentaires qui favorisent l'acquisition des clés de compréhension du monde nécessaires à l'exercice des hautes responsabilités qui leur seront confiées. Il s'agit de la vision prospective sur le monde et sur l'Afrique, clé de compréhension. La stratégie et art de la guerre, gestion de la complexité. Les actions interministérielles et sécurité, gestion interministérielle des crises, le management, leadership et anticipation, préparation de l'avenir et gestion des ressources. Pour lier la théorie à la pratique, la hiérarchie militaire a permis à la deuxième promotion d'effectuer 2 missions et visites d'études, à savoir tant à l'intérieur du pays qu'en Afrique. À l'intérieur du pays, la promotion était dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba en février 2022 pour comprendre les processus décisionnels à travers la visite des états-majors de la 2e zone de défense, de la 22e région militaire et des gouvernorats des provinces, ainsi que s'imprégner de la vision politico-stratégique congolaise dans le domaine des industries de défense en prenant le cadre de l'AFRIDEX, l'ICASI, comme problématique stratégique qu'il cite étudier à fond pour sa valorisation. En République du Tchad, la deuxième promotion a été reçue dans l'état-major des opérations Barkhane, ensuite dans l'état-major de la force mixte multinationale, ainsi que dans l'état-major des forces armées tchadiennes. La promotion a saisi de l'opportunité pour s'incliner sur les tombes de nos compatriotes militaires congolais tombés sur le champ d'honneur au Tchad dans la guerre qu'il avait opposée à la Libye dans les années 80 pour le contrôle de la bande d'Aouzou. Tandis qu'en République fédérale et démocratique d'Éthiopie, en plus de la visite du quartier général de l'armée éthiopienne et de sa jeune école de guerre, la promotion a été accueillie avec dignité au siège de l'Union africaine. Des échanges et interactions fructueux ont eu lieu sur le fonctionnement et mandat de la Commission et du Département des Affaires politiques, paix et sécurité, ainsi de l'architecture de paix et sécurité, le Conseil de paix et de sécurité, la force africaine en attente, les opérations de soutien à la paix en cours à l'Union africaine et la visite de la salle d'éveil du système continental d'alerte rapide. S'agissant de cette visite au siège de l'Union africaine, nous avons reçu la notification de son président sur la décision de faire participer désormais l'école de guerre de Kinshasa aux exercices de maintien de la paix qui seront organisés par cette organisation régionale. Et sur ce, nous transmettons notre gratitude.
la promotion à travailler durement les exercices et évaluations contenant la production de nombreux travaux en rapport avec les mémoires des géopolitiques, la veille stratégique, les articles de réflexion personnelle, les fiches décisionnelles, la fiche géopolitique et bien d'autres documents d'analyse des hauts niveaux. À cela s'ajoutent des journées scientifiques et portes ouvertes à l'Université de Kinshasa, à l'Université de Lubumbashi et à l'Université de Kolwezi où les officiers brevetés de l'enseignement militaire supérieur ont interagi sur des questions d'actualité. Sanction de la formation. La formation à l'école de guerre de Kinshasa est sanctionnée par un brevet d'enseignement militaire supérieur. Les stagiaires obtiennent en plus un certificat d'expert en réforme du secteur de la défense et de sécurité délivré par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Particulièrement avec l'Université de Kinshasa, un partenariat a été conclu pour permettre aux officiers supérieurs qui ont les prérequis universitaires d'être décernés, en plus du brevet d'enseignement militaire supérieur, un deuxième diplôme de master équivalent au diplôme d'études approfondies en question de défense, sécurité et gestion des conflits. Les mémoires ont été rédigés et soutenus publiquement en présence des éminents professeurs. La mise en œuvre de ces partenariats est en cours conformément aux exigences de l'enseignement supérieur et universitaire. Encadrement école professorale. L'école de guerre de Kinshasa fait partie du réseau des écoles de guerre francophones. L'encadrement permanent est assuré par un coopérant français aux côtés de jeunes officiers supérieurs congolais. Ils sont tous brevetés d'enseignement militaire supérieur ici des écoles de guerre francophones, Maroc, Cameroun et France. Tous cadres universitaires et disposent chacun d'un master en stratégie, défense, sécurité et gestion des conflits et des catastrophes. Le corps professoral est composé des universitaires qui proviennent de l'Université de Kinshasa, des universitaires français, des universitaires belges. Des chefs de mission diplomatiques en poste à Kinshasa et des diplomates congolais. Des officiers généraux et colonels brevetés, congolais exerçant des hautes responsabilités ayant une expertise avérée. Des officiers généraux et supérieurs au potentiel issu du collège des hautes études de défense, des hautes études de sécurité et défense. Des cadres permanents de l'école de guerre de Kinshasa, tous brevetés. Des professeurs civils et militaires étrangers en provenance des pays amis et partenaires. La représentante du président de la Commission de l'Union africaine. Des experts qualifiés de la MONUSCO. Des experts au ministère de l'Intérieur pour la gestion des catastrophes et protection civile. Des experts en réforme du secteur des sécurités envoyés chaque année par des experts du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Des CAF en sigle pour le renforcement des capacités dans les domaines de la réforme du secteur de la défense et de sécurité par la Fondation Suisse des CAF, ainsi que d'autres responsables des organisations non gouvernementales, les journalistes, les CICR, les CPI, ACR et les attachés de défense. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. L'école de guerre de Kinshasa, que votre autorité soutient et qui a été créée par les commandants suprêmes, est en train de monter en puissance et de se positionner progressivement comme une école d'excellence de la région. Même en étant dans des installations provisoires, elle répond aux objectifs de donner aux officiers supérieurs la compréhension du monde dans lequel leur action s'inscrira
et celle des mécanismes de prise de décision des institutions et des chaînes qu'ils serviront et commanderont. Développer chez les officiers supérieurs les qualités personnelles nécessaires à l'exercice de ces responsabilités. C'est ici, Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, l'occasion pour nous de vous exprimer toute notre reconnaissance pour les soutiens qui nous ont permis, n'est-ce pas, de valoriser ces projets et de créer cette grande et prestigieuse école de guerre au centre de l'Afrique. En outre, nous saisissons cette occasion pour adresser nos remerciements à nos chefs hiérarchiques, en commençant par Votre Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, pour votre implication personnelle à la réussite de cette mission noble confiée à cette grande école régionale qui accueille déjà les stagiaires des pays amis. L'école tient à remercier la participation précieuse de la France à travers son coopérant militaire, chef de l'enseignement, des départements de l'enseignement, que je cite, colonel Éric de la Chapelle, que je remercie particulièrement. Je tiens également à remercier le commandant général des écoles militaires et le commandant du groupement des écoles supérieures militaires pour leur accompagnement. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude au recteur de l'Université de Kinshasa qui a disponibilisé des éminents professeurs afin d'animer les modules d'enseignement général. Les remerciements s'adressent également aux professeurs des autres universités, qu'ils soient des universitaires africains, européens, des l'UPEN et des l'UFASIC. Je ne manquerai pas de remercier mes partenaires techniques qui ont permis à l'école de guerre de Kinshasa de garder son bon standing malgré l'environnement et sanitaire qui prévaut actuellement. Je cite les restaurants Zamani et la société Bismillah. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du président de la République et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, ces nouveaux lauréats que l'école de guerre de Kinshasa remet à la disposition de l'état-major général sont d'ores et déjà capables d'exercer des fonctions d'état-major du niveau opératif du commandement des grandes unités en national ou en multinational et des grandes directions où se traitent les questions de défense et sécurité. Proclamation des résultats. Excellence, nous arrivons à l'étape de la proclamation des résultats des lauréats par catégorie. Procès verbal des proclamations des résultats des stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. L'an 2022, le 15e jour du mois de juillet, l'école de guerre de Kinshasa proclame les résultats suivants transmis à l'issue de la réunion du commandement présidée par son commandant le 11 juillet 2022 en vue d'étudier les évaluations et l'ensemble des notes des stagiaires de la deuxième promotion présenté par le département de l'enseignement ainsi que les appréciations des cadres professeurs des groupes, y compris les notes caractérielles. Après débat et délibération conformément aux exigences en vigueur, l'école de guerre a pris les décisions suivantes. La réussite à l'école de guerre est conditionnée par l'obtention de la moyenne générale de 50% au minimum. Les autres cas sont soumis à la délibération. L'obtention de la note caractérielle en dessous de 40%, soit en dessous de 8 sur 20, entraîne l'échec, peu importe la moyenne générale obtenue.
Le fait de ne pas atteindre la moyenne générale de 50% entraîne aussi l'échec. Pour les stagiaires qui ont participé activement à la formation et à toutes les activités organisées par l'école, faute de satisfaire aux exigences des réussites, l'école de guerre a pris la décision de les attribuer un certificat de participation. Les résultats se présentent de la manière suivante. Sur 25 stagiaires inscrits, 23 ont réussi, soit 92% des réussites suivant la classification ci-après. Grande distinction, néant. Distinction, 3. Satisfaction, 20. Certificat de participation aux enseignements du niveau opératif, 2. Au lauréat et le cadeau au premier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et au deuxième, qui est les cadeaux de votre autorité. Colonel Bem Kipusa Muliri Poli, en place. Colonel Bem Kiungu Lomponda Serge, en place. Colonel Bem Lupembe Mombenzo Papi, en place. Colonel Bem Ngoi Kitengu Baidon, en place. Lieutenant Colonel Bem Bahati Kamanzi Frank, en place. Lieutenant-colonel Kaotoa Mouavingi François, en place. Capitaine de frégate, Bem Koyabo Abeyawe Rigobert, en place. Lieutenant-colonel Ben Libaba Monga Aimé, en place.
colonel Ben Mouvumbu Kasongo Cléophas. En place. Lieutenant-colonel Bem Salabangi Magayo Thomas, en place. Lieutenant-colonel Bem Chico Bissessou Alain, en place. Lieutenant-colonel Wabenga Moussombwa Nicolas, en place. Major Ben Albati Bouchiri Babin, en place. Major Ben Fouka Kimuela Blaise, en place. Major Ben Kasongo Matambu Jean-Claude, en place. Major Ben Kolobo Moke Babi Victor, en place. Major Ben Mboulou Eyambe François, en place. Major Ben Mouloa Ali Kaniwa Gérant, en place. Major Ben Moutouza Kalinde Gabriel, en place. Commissaire supérieur adjoint Bem Zouzi Namani Christiane, la première personnelle féminine dans notre école.
la première personnelle féminine dans cette école des généraux. Major Ben Tamboué Kazadi Patient. En place. Colonel Ben Bongi Anthony. Le colonel de la gendarmerie. En place. Centrafricaine. Il est le major de la promotion. On peut l'applaudir. C'est lui le major. Et dans la foulée, il restera en place. On passera directement à la remise des cadeaux. Son Excellence remettra les premier cadeau au major, qui est le colonel en face, le cadeau du commandant suprême. Et il remettra aussi le cadeau aussi, et son cadeau au deuxième. Le lieutenant colonel Kaotoa Mouavingi François, en place. Il a reçu, Kaotoa, c'est le prix, le deuxième prix de distinction de la promotion. Nous invitons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Ministre, à prendre place. Nous invitons Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, à bien vouloir prendre place pour la remise de prix au Major Kolobo Moke Babi Victor, qui s'est distingué en enseignement général. Nous invitons Son Excellence à prendre place dans la tribune. Nous invitons Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République française, à bien vouloir prendre place pour la remise du prix de la coopération militaire France-RDC au colonel Kipusa Muliri Poli. Nous invitons Son Excellence à prendre place dans la tribune. Nous invitons le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à bien vouloir prendre place pour la remise du prix de commandement et de la troisième distinction au classement général au colonel Lupembe Mobezo Papi. En place. Prions à l'autorité de prendre place à la tribune. Nous invitons les chargés d'affaires de la République centrafricaine à bien vouloir prendre place pour la remise du prix d'encouragement du pays d'origine au colonel Bongi Anthony.
son Excellence à prendre place dans la tribune. Nous invitons le commissaire général de la police nationale congolaise à bien vouloir prendre place pour la remise de prix de la participation de la police nationale congolaise au commissaire supérieur adjoint Suzy Namani Christian. À l'autorité de prendre place. Nous invitons le commandant général des écoles militaires à bien vouloir prendre place pour la remise de prix de la distinction en planification opérationnelle au major Mutuza Kalinde Gabriel. Nous invitons le commandant du groupement des écoles supérieures militaires à bien vouloir prendre place pour la remise de prix de la discipline au colonel Ngoï Kitengu Baidon. Nous invitons le commandant à prendre place dans la tribune. Et le prix de la meilleure contribution à la vie de la promotion au major Mouloa Ali Kaniwa Jérôme sera remis par le commandant de l'école de guerre. Pour les saluts. Ça à droite.
important pour moi. Hymne national de l'école de guerre de Kinshasa. L'école de guerre de Kinshasa, au cœur de l'Afrique, une conscience éclairée qui émergera pour le bien de la RDC et de toute l'Afrique. Dans la synergie, elle brillera, elle brillera. L'école de guerre de Kinshasa produira une forte lumière qui éclaira toute l'Afrique et le monde. Ainsi, une Afrique en paix et en sécurité pour le bien-être des peuples sera une réalité. Faire briller les forces armées. Faire briller nos forces armées. Faire briller les forces armées. Faire briller les forces armées. Faire briller les forces armées. Droite. Droite. Marquez les pas. Marche. Entre vos rangs, marche. Gauche, droite. 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 Promotion. Yatilika inemekatwa kulanda nkinzi ya kupesa maplomu na lukumu na kati ya basolda ba vandaka kiteso ya makumi zule na tano ya mbimba na kumona bao makumi zule na tatu mekwisa kununga pezole kununga kavemi na kati ya bao ancien combattant représentant personnel du président de la République chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. Qu'il plaise à votre autorité de bien vouloir venir procéder à la clôture de l'année académique 2021-2022 et à l'ouverture de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Ya umekuma ntangu ya kupesa nzila, samu na kumanisa malungi na ina mita la deuxième promotion, pe kupesa liaka nzila ya kubanda bisalu samu na troisième promotion, nyonso ke salama kaka bubu ya hai, bifona zabati malungi yangu keba kama na nima bangonda kumi ya mvimba ndeke pesa na kati ya école de guerre na kulanda malungi na bau na mtindu mosi ya mbote na kati ya bantu makumi zole na tatu ya mebaka lukumu ya bubu yetu pe maplom ke na mosi ya mekatuka na Centrafrique ya mekusamulisa penza nzile ya mbote na kulanda malongi. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Excellence, monsieur l'ambassadeur de France. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema. Monsieur le commandant général des écoles militaires. Monsieur le commandant de l'école de guerre de Kinshasa. Mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs, distingués invités, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, messieurs les attachés de défense,
après la clôture de la première promotion l'an dernier, le sort a voulu, et par la volonté du président de la République, nous confier une fois de plus cette tâche à la tête du ministère de la Défense nationale, de prendre de nouveau la parole pour la clôture de cette deuxième promotion de l'une des prestigieuses écoles militaires de notre pays. Je cite l'école de guerre de Kinshasa. Prendre la parole à la fin d'une formation militaire a toujours été une occasion solennelle de dire que la République est pourvue d'hommes et de femmes qui ont compris que celle-ci a besoin d'être sécurisée, que ses citoyens ont besoin de vivre dans la quiétude, que ses ressources et ses limites territoriales ont besoin d'être défendues. En des moments pareils, prendre la parole pour un ministre de la Défense serait celui d'un satisfecit, celui de la garantie pour une République contre l'insécurité de tout genre. Malheureusement, je prends la parole au moment où des femmes et des enfants continuent à être violés et égorgés à l'est du pays. Je prends la parole au moment où nos frontières continuent à être violées, car devenues les plus poreuses du monde. Je prends la parole au moment où plus personne ne semble reconnaître les frontières définies de la République démocratique du Congo. Je prends la parole au moment où le peuple congolais, du nord et du sud, de l'est, comme de l'Ouest, se pose la question de savoir où sont passées les prouesses d'antan. Mesdames et messieurs, distingués invités, puis-je rappeler qu'à la clôture de la première promotion, l'école de guerre supérieure d'état-major, ou mieux l'école de guerre de Kinshasa, a déversé sur le marché 25 brevetés d'état-major. Puis-je rappeler qu'à l'instar de l'école de guerre, plusieurs autres écoles, notamment le Collège des hautes études de stratégie et de défense, l'école de commandement et d'état-major, l'école supérieure d'administration militaire, ont déversé et auront, comme le cas aujourd'hui, à déverser sur le marché des dizaines de diplômés d'état-major, tout comme des diplômés de stratégie et de défense. Au vu de ce nombre, une question peut bien tarauder les bons esprits. Pourquoi l'augmentation des viols et des tueries à l'est de la République semble-t-elle être directement proportionnelle à l'accroissement du nombre de diplômés dans nos prestigieuses écoles militaires? Est-il encore nécessaire de former, si une célébrité africaine, et non des moindres, déclare à la face du monde que l'endroit approprié pour faire un théâtre des opérations est l'est de la République démocratique du Congo? Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Excellence, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'homme, l'hymne de cette institution d'enseignement est, je cite, « La lumière est apparue au centre de l'Afrique » et sa devise est « Faire briller les FRDC ». Cet hymne me rappelle l'adage de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Au vu de l'insécurité qui sévit à l'Est, cet adage peut-il encore être évoqué pour un citoyen congolais? Au vu du nombre d'officiers formés, est-il encore nécessaire de continuer à former si la nation que nous voulons faire briller, comme le dit la devise de cette école, continue contre tout entendement à
à voir ses frontières violées. Si la lumière censée apparaître au centre de l'Afrique, comme le dit l'hymne de cette école, continue à être éblouie par l'insécurité de toutes sortes. C'est ici le lieu et aussi le moment pour vous qui venez d'inscrire vos noms dans les annales de cette prestigieuse école, de vous poser chacun la question de savoir pourquoi j'ai accepté d'être formé à un si haut niveau d'études militaires et dans quel état se trouve ma nation aujourd'hui. La présente cérémonie doit être pour nous tous une interpellation et surtout l'expression de notre attachement au perfectionnement des cadres de l'armée, car la montée en puissance de celle-ci en dépend. J'aimerais qu'à l'instant où nous clôturons cette cérémonie, que chacun de vous puisse se rappeler le serment d'officier qu'il a eu à prêter lorsqu'il devait arborer son premier grade d'officier. Rappelez-vous que cette école a été créée pour répondre aux besoins des FRDC et des armées des pays amis et que la complexité de la situation sécuritaire à l'Est rend ce besoin encore plus qu'urgent. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers lauréats, alors que nous célébrons la fin de votre formation, recevez, au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées, celui du gouvernement et au mien propre, toutes nos félicitations. Et espérons qu'à la formation reçue équivaudra des fonctions où vous serez appelés à donner le meilleur de vous-même. Nos encouragements et nos félicitations vont de même à l'endroit des encadreurs de cette école pour le sens d'abnégation et de professionnalisme avec lequel ils encadrent et continueront à encadrer les promotions à venir. Nos remerciements à la coopération militaire française pour son appui et son expertise. Que la France, par son ambassadeur et les officiers militaires français ici présents, accepte du fond du cœur toute notre reconnaissance. Je ne saurais terminer ce propos sans rendre hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, pour la détermination à restaurer la paix sur l'étendue du territoire national au travers de multiples formations pour lesquelles il ne ménage aucun effort pour les voir se tenir afin de pourvoir nos forces armées des cadres compétents, outillés et à même de défendre la République. Que le Premier ministre, chef du gouvernement, des Warriors, mon superviseur, reçoive ici l'expression de toute ma gratitude. C'est sur ce mot que je déclare clos l'année académique 2021-2022 et par la même occasion, je déclare ouverte l'année académique de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vive la coopération RDC. France. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Alignez. Mort. Gardez-vous. Faites présenter les armes. Au centre, présentez armes. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez les bancs.
La solo. Repos. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ya solo to komina suka ya milulu ya makolo mwa lelo wapepa ya miniska tali mambi mabasoda wazalek bongo motinda miyatata mkonje ekolo Felix ya Anton Tshisekedi Tshilombo mwana mboka kabanda kuringa hea uti bongo kukanga mingi penza kela si nous sommes arrivés à la phase de la prise de photos de famille avant de devoir prier leurs excellences ainsi que les grands officiers de rejoindre la place réservée à la photo, la promotion, la deuxième, doit immédiatement se rendre à cet endroit précédé des autorités. Bah, les coulis à Bassoudan, école de guerre, Bango, pour y aller, balayer, bah, outil Koussou qui s'en matin à ma Bango, mon commun, les lois, ils allaient qui pour y avoir beaucoup de balayer, tout pour y balayer, n'ayant qu'on peut beaucoup de balayer, tout pour y balayer, n'ayant balayer, bah, ça là qui tout comme y balayer, n'ayant tant non, Bongo, tout pour y balayer, n'ayant ça tout, Bango, des. Bauti bongo kozwa diplôme mais à Bangos ma kolanda matéa sans azumi bongo ministre tel mambi mabasoda kabanda kuhenga yeli akambaki milulu mi abusu kisi bongo matéa mama omalubama ye aibisi te ya solo oyeliko eye basoda baye bauti kolanda matéa mpe bazuma polomi na bango basengedi ko mituna meike eliko eye kuna omonelo mwa ekolo bana mboka bazali komono pasi si où il est et colo et biso bah côté c'est biso bitumba bah singeli mingi pizza bah singeli mingi koso solan pe koto na mituna njike et eliko et balapaka seleka ya bango ou eliko bakota ki omampinga seleka balapaki ezalaki po ya kobatela mingi ndelo ya mabele ekolo kobatela bato lokola mpe biloko pe ya bango bongo na suka apesaki matondi na mokambi ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ntango eso misomia ye ezalaki kati na etelo eye na bonsenga eso bazalaka na yango azalaki kokokisela ya bango na ntina ete balanda mateya malamu bazwa mateya mama longa oyo ekosala ete bayeba kobatela mingi ndelo ya mabele ekolo lokola mpe bato mpe biloko bya bango boyeba ete kati na bayebanso bazwima polomi ezali bongo na bacolonel banei balie ntina colonel Dubois ba major Dubois lokola mpe commissaire supérieur adjointe ezali moko kati na bamama azali Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, puisse votre autorité vous faire accompagner de Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, du chef d'État-major général, du commissaire général de la police nationale congolaise, du chef d'État-major général adjoint chargé d'opération et commandant des forces, de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la France et des attachés militaires pour prendre la photo avec la deuxième promotion de l'école de guerre. Merci. Ya solo boye ba ete etelo eye oeleko ya promotion ya yambo bazwaka balandaka mate ya mabango bango basilisaka yango pe babatisaka yango na kombo ya Kondo Etienne Tshisekedi Mulumba wana ezalaka bongo promotion ya liboso o basilisaka mate ya kasi oyo nde ezali promotion ya ibale oyo bauti kosilisa mate ya boye ba ete etelo eye ekosalaka mosamo yango na boyokani mingi penza na lisu ya ekolo Francia, ekolo Belgique, bango depuis bakopé sa kamaboko, on a tina été matéa, makoka kosalema na ndenge elongo bani. Boye bape ni sou souete katina baye balandi matéa, ezali na moko officier ya République Centre Afrique. Merci Mami Mambouini, merci Godé Kabundi, merci Wivin Diata, merci à Feza Kalongola qui chacun a expliqué en langue nationale la cérémonie que la Radio-Télévision Nationale Congolaise vous a retransmise ici au Centre Supérieur Militaire.
La substance de l'activité est donc vidée à présent, ce sont les exigences protocolaires. À ce stade, on est en train d'immortaliser l'instant. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que son collègue de l'enseignement supérieur universitaire, l'ambassade de France et autres généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que tous les lauréats de ce jour, pose pour la postérité. Cette cérémonie a également permis au ministre de la Défense de lancer la formation pour la troisième promotion de cette école des guerres de Kinshasa qui a primé ou qui a diplômé 25 officiers militaires parmi lesquels un centrafricain. La Radio-Télévision Nationale Congolaise qui a pris l'habitude de vous retransmettre en direct tous ces grands événements dans la République et celui-ci était un des grands dans ce contexte où les forces armées de la République démocratique du Congo se battent dans l'est de la République démocratique du Congo contre les forces négatives, les terroristes du M23, mais aussi l'armée rwandaise qui nous a envahis. Il est donc important de montrer que les forces armées de la République sont en train de monter en puissance et un des leviers, c'est cette formation qui a donc tous les maillons nécessaires pour disposer d'un personnel capable de répondre aux besoins de la République en cas de menace. Voilà donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et vous demander de rester branché sur la télévision nationale. Merci et au revoir.